On voit là Ted Cruz, qui lui, est c'est la droite évangélique, religieuse, etc. Et l'autre, Marco Rubio. C'est la personne qui a dit que M. Poutine est un gangster. Cruz. Oui. Oui. Alors okay. que Trump a dit Continuez. Que Poutine est un type. Non, mais enfin, les débats restons ouais. politiques, restons droits, parce que oui, si, jamais, l'un et l'autre, si jamais, si jamais un monsieur, bah, va pas gagner. Il y a quand même les Rockefeller, les gens comme les Rothschild, les grosses familles qui dominent quand même les continents. Donc c'est même pas la France, on parle des continents. C'est des familles qui ont grandi en 1827 avec des familles à 5 garçons où ils s'expandent. Vous parlez J'ai des dit, c'est au sud de tout ce qu'on parle. Oui. Ok. Donc comme il dit, il y a les lobbyistes. Il y a les gens qui se présentent aux élections. Oui. Et il y a des gars comme Donald Trump qui ont, quoi, 10 millions d'euros. C'est pas lui qui dépense le plus. Enfin, il doit déclarer en Amérique, il faut qu'il montre les papiers. En tout cas, il dépense son propre argent. Il a peut-être pas plus. Mais enfin, un garçon comme ça, si moi j'ai des biens et j'ai travaillé toute ma vie pour ma famille, pour mes amis, pour un pays où je paye mes taxes, tout ce qu'il veut, je crois d'abord, c'est protéger ses intérêts. Donc, quelqu'un qui travaille gratuit, c'est quelqu'un de dangereux. Ça veut dire qu'il protège les intérêts de son pays. Mm-hmm. Bon, c'est vrai qu'on a des problèmes avec le Middle East. Mais ce qui dit, dans un sens, se retirer du Middle East, c'est... Non. Attendez, oui. c'est leur foutre la paix. Chacun mais a une philosophie... Attendez, parce qu'on m'a demandé... Monsieur Vandamme, vous connaissez la politique. Bien sûr, bien sûr. So I'm aware about that. Ah ouais.